Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais je tenais absolument à vous partager sur cette chaîne le contenu du calendrier de l'Avent de chez Kiscrap. Si vous me suivez sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, vous avez déjà pu voir le contenu via les petites vidéos que je vous ai publiées. Mais comme je sais que tout le monde n'a pas Facebook ou Instagram, je tenais vraiment à vous le partager sur cette chaîne ici aussi. Ce calendrier était composé de 25 pochettes et les produits qu'on pouvait y trouver sont tous imaginés et créés spécialement pour le calendrier de l'Avent par Karen de Kiscrap. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des tampons clear, on a eu des embellissements en époxy, on a eu des badges et des die-cuts. Enfin, des planches de die-cuts. Alors, c'est parti, je commence par vous montrer les tampons clear. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre, si je m'en souviens, ça doit être ça. Le premier s'appelle la liste. Le second s'appelle les appareils photo. Le troisième s'appelle le quadrillage. Et enfin, le dernier s'appelle Polaroid. Ensuite, nous avons eu des badges. Alors, nous avons eu 5 petits badges. Donc, ils font 25 mm, si je ne me trompe pas. Voici le premier. Voilà. J'espère que vous allez bien les voir. Et voici le dernier petit badge. Nous avons eu également 5 badges de 32 mm. Il veut pas là. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Donc, les badges. Nous avons eu également 3 lots d'embellissement en époxy. Alors, voici le premier. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Donc, c'est un mot. Je sais qu'il y a eu plusieurs mots dans les calendriers. Par contre, je suis incapable de vous dire à ce jour lesquels parce que j'ai complètement oublié. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur la page Facebook de Kiscrap ou sur le compte Instagram pour voir les différents mots qu'il y avait. Autre embellissement, autre lot d'embellissement en époxy. Ce sont des petits cœurs. Alors, si mon appareil veut bien faire la mise au point. Alors, tu veux ou tu veux pas? Tu veux pas, hein? Bon, alors, je vais essayer de vous les montrer autrement. Voilà, voilà le premier. Et je vais essayer de vous montrer pareil le second. Voilà.
Nous avons eu enfin en embellissement époxy, nous avons eu ceci. Donc c'est un embellissement bois qui était recouvert d'un dôme en époxy. Toujours concernant les embellissements époxy, nous avons eu une couverture d'album qui mesure 13,5 par 13,5. Et sur le côté, il y a deux trous pour pouvoir faire un album avec anneaux. Alors, voilà, je vous le montre de plus près. Donc ce genre de couverture, Karen en fait beaucoup et vous les trouverez sur son site. Nous avons eu enfin 7 planches de die-cut à découper. Alors ce sont des planches dans un format A5. Dans une qualité de papier assez extraordinaire, puisqu'il s'agit d'un papier lisse et relativement épais. Donc ça pose aucun souci au découpage, ça se déforme pas, c'est assez génial. Donc voici les planches. Je vais les laisser là que vous puissiez les voir correctement. Donc la première s'appelle les œillets. La seconde, les esperluettes en noir et blanc. Un arc-en-ciel d'étiquette, l'alphabet de l'Avent 2021, les tickets en aquarelle, les définitions et enfin tout un tas de pola. Je vous montre également toutes les petites étiquettes qui étaient sur les enveloppes et que j'ai récupérées parce que franchement elles sont trop jolies. Alors je vais zoomer. Voilà, pour voir, je vais vous les montrer comme ceci. Ah, elles sont pas dans l'ordre, dommage, c'est pas grave. Franchement, elles sont trop belles. Donc je les ai récupérées et peut-être que l'année prochaine, du coup, je me ferai un December Daily. Et sinon, bah, il ornera le calendrier de l'Avent que je ferai pour la maison. Bon, je vous les montre assez rapidement, hein, mais... Voilà, que vous puissiez vous faire une idée. Donc je vous rappelle que tout est créé et enfin imaginé et créé par Karen en exclusivité pour le calendrier de l'Avent. Sur sa boutique, vous trouverez pas mal de matériel scrap de diverses marques, mais également aussi de sa propre marque à elle. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous encourage à aller la découvrir. Et puis ben, si vous la connaissez déjà un petit peu, je vous encourage aussi à approfondir votre connaissance. N'hésitez pas à commander ces produits, franchement vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dimanche pour la première vidéo de l'année 2022. Et en attendant, passez une belle fin d'année, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bye bye !